Bonsoir à tous et bienvenue sur l'épisode 5 de Super Mario World. Et on est dans le niveau de la forêt de la mort. Vu la tête des arbres, voilà ce qui nous attend. Et on est parti donc pour ce premier niveau de la forêt illusoire. Donc, ok, une chenille. Oula. Elle est vénère que je l'ai touchée. Rien là-dedans. Hop. Si vous pouvez récupérer un champignon, ça serait cool. Voilà. Voilà, ça c'est cool. Oh putain, ça va être chaud. Non, ça passe pas. Une chenille. Ah, on retrouve enfin des ennemis communs de Mario. Je suis sûr que ça doit servir à un moment, voilà. Je sais pas ce que je peux faire là, mais... C'est tout? Je suis déçu. Ah, il fallait peut-être frapper en dessous. Non! Oh, j'ai senti quand j'ai fait le saut que voilà, ça allait foirer. Ça a pas loupé. J'aurais dû continuer mon chemin, comme si de rien n'était. Des fois la curiosité est un bien vilain défaut. Et nous mène à la mort dans Mario. Oh. Yoshi, reviens! Abandonne pas! Yoshi, putain, tu fais chier! Ok, c'est pour avoir le champignon. Merde. Qui disparaît? Ok, je suis baisé. Hop. Oh là, j'ai tout loupé. Ok, c'est des ninjas, ils étaient cachés. Ok, je sais pas comment j'ai fait ça, mais pourquoi pas. D'accord, donc si je tape la tête de la chenille, ça la tue en entier. Ouais, logique. Bah, logique de jeu vidéo. Ah merde, en appuyant sur le bouton, ça... On récupère pas la carapace. Tant pis. Bon, de toute façon, c'est... Comment dire, c'est le premier niveau... en mode découverte, donc... Oh, une vie en plus. Ça, c'est cool. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, je suis loupé! Et merde, je suis mort. Bon, heureusement que j'ai récupéré une vie, mais... On va essayer d'arrêter d'être trop gourmand. Et se concentrer sur le fait de passer ce niveau. Saute.
Ça, on s'en tape. Excite un petit peu tout le monde. Et moi, je saute dessus. Bon. Il a l'air compliqué, mais pas dans le mauvais sens du terme. Compliqué dans le sens de... faut faire gaffe, c'est un Mario à l'ancienne, on va dire. Enfin, pas plutôt à l'ancienne, mais plutôt classique. C'est vraiment juste les ennemis qui posent souci. Pas vraiment une mécanique de jeu ou une difficulté aberrante. Faut vraiment juste faire gaffe à ce qu'on fait. Voilà. Bon. Ah merde. Oh ça va être chaud. Ah putain. Il faut soit réussir à avoir le mec, soit rebondir sur la chenille. Ça va être compliqué à réaliser. Oui, je continue. Bon, allez, on est reparti. Maintenant, on sait ce qui nous attend, on sait ce qu'on va prendre. Ça va le faire, même si là j'ai bien cru que... Ok. J'allais dire que j'ai bien cru que j'allais me faire avoir par la simple tortue, mais en fait, oui. Oui, si on pouvait garder Yoshi aussi. Non. Voilà. Bon, en plus il peut bouffer les... Il peut bouffer les ennemis, tous les ennemis. C'est cool ça. Regardez Yoshi. Mais merde! Je me suis trompé de bouton. Bon, un champignon en plus. Je pense à prix. Ok, même s'il me tourne le dos, je peux faire ça. Oups, je voulais pas faire ça, madame la chenille. Ah putain. Oh putain, mais je me fais niquer par la propre carapace que je lance. Ah, je suis vraiment mauvais de chez mauvais. J'imagine... Mais putain, je me suis trompé le bouton. J'imagine même pas si j'avais eu le jeu à l'époque, à quel point j'aurais galéré. Surtout si je m'étais imposé la consigne de... Je ne fais pas d'autres jeux tant que je n'ai pas fini celui-ci. Je pense que j'aurais pas eu beaucoup de jeux. Et merde, tu peux pas la réceptionner. Ok. Ah l'enculé! En plus, la fin du niveau est juste derrière. Ce qui est la petite pancarte. Mais saute!
En plus, j'ai la manette qui répond pas correctement, ça c'est chiant. Hop. Mais comme marteau, faut bien le doser. Deux de tension. Deux de tension pour réagir. Oh putain, je sens que la vidéo va être longue. Hop. Ça ne sert à rien contre les ennemis, enfin, contre les chenilles. Mais au moins je me débarrasse de tous les ennemis standards. Qui au final représentent un plus gros danger même que les chenilles. Bah, ça il faut essayer. Oui. D'accord. Ok, bah si j'avais su que ça servait à ça, je l'aurais fait plus vite, hein. Bon, moi c'est un niveau que je vous ne repasserai pas. Et que vous n'aurez plus besoin de revoir. Ok. Ah mon dieu, un niveau dans l'eau. Pourquoi? Je hais les niveaux dans l'eau. C'est vraiment de la merde. Plus espèce de mine flottante là. Je vais jamais y arriver. Si. Oh mon dieu. Ouais, en speed parce que je veux pas faire ce niveau. Je déteste les niveaux dans l'eau. C'est la merde. Ton perso il est lent. Il est pas agile. C'est chiant à estimer les distances. Et tout ça donc. Merde. Bon ça va, je récupère mon bonus. Je sais pas par où aller. Là ça me paraît bien. Ouais. Mais non. Tout ce qui est bonus, machin, niveau bonus, on les fera pas, hein, je vous le dis clairement. Je veux juste finir le jeu et me dire que j'ai fini Super Mario World. Ne serait-ce que d'une certaine manière. Après, tout ce qui est bonus, etc. Voilà, c'est une autre affaire. Mais merde. Putain. Mais c'est pas mon pote! Putain! Bon bah je vous reprends quand je suis de nouveau ce niveau maudit de l'eau. A tout de suite. Allez, on est reparti pour ce niveau. Bon, cette fois je n'ai plus la possibilité d'éliminer mes ennemis avec les boules de feu. Donc ça va être un petit peu tendu. Putain, vous allez jusqu'où les poissons? Sérieusement? Écroule-toi. Tu veux pas redescendre s'il te plaît? Merci. Allez, hein, on passe vite fait ce niveau, j'ai pas envie de le refaire 10 fois. Merde. J'ai loupé un champignon, c'est pas grave. Putain, je
déteste le niveau aquatique. C'est vraiment pourri. Ah putain, je meurs sur le premier ennemi là. Elle est con. Là on revient à Mario. Voilà. Allez, rush le niveau. Ah! Putain! Qu'est-ce qu'il foutait là, ce con? Ton avis, est-ce que je peux? Non, je peux pas avoir ce champignon sans crever. Ah là là, il me reste déjà plus qu'une vie. J'ai même pas vu la moitié du niveau. Putain, j'ai failli foncer droit dessus. Là, en bourrant, ça passe, tu vois. Tranquille. Là, on peut passer par là. Oh là 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 là. Serre bien à droite et on passe. À la limite, c'est moins dangereux. Moi, je croyais que c'était un compagnon à sauver, le petit poisson qui dort. C'est pour ça que, dans la première tentative, j'ai essayé d'aller dessus. J'ai dit ouais, c'est un pote, tranquille. Mais au final, pas du tout. Il veut juste ta mort comme tous les autres. Oh là 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 là. Ah oui, sauf qu'il est plus agressif celui-là. Ah putain, je... Bon ben c'est reparti, on se revoit dès que je reviens à ce niveau. A tout de suite. Et nous revoilà au fameux niveau de l'eau. Et je n'ai toujours pas une fleur de feu, qui à mon avis sera le seul moyen pour que je réussisse à passer ce foutu niveau. Merdique. De toute façon les niveaux aquatiques c'est toujours pué la merde dans les jeux vidéo. Pourquoi je suis allé là moi? Putain, mais je suis trop con. Ça a toujours été le niveau chiant que tout le monde déteste faire. Alors pourquoi faire des niveaux aquatiques? Merde! C'est pas la peine d'aller chercher ça. J'aimerais juste avoir le milieu de niveau là, avec le checkpoint. Tu sais, il a l'air limpiratique comme niveau. Niveau aquatique, limpiratique. Tout ce qu'on aime dans le jeu vidéo. Ouais! Poisson à mon goût. Putain. Non, foutez-moi la paix, je suis à la fin. Oui. Oh, oh le stress.
Oh, j'ai eu un putain de stress là! Ouf! Un coup de stress parce qu'il a failli m'avoir sur la fin. Ok, ça s'est passé. Toujours pas de point de sauvegarde? Et toujours pas de point de sauvegarde. Ça veut dire. Oh non! C'est quoi ce Beans? Putain, m'arriver tout dessus à toute vitesse. Quand ça fait un drôle de bruit quand ça éclate. Tac. Ok, je peux les toucher. Ça, il n'y a pas de souci. Ah oui, il explose. Yoshi! C'est peut-être ma meilleure chance de finir ce niveau. Non. Non, en fait, je suis vraiment trop nul pour finir ce niveau, donc... Casse-toi, Yoshi. Ça vaut mieux. Ça vaut mieux pour ta réputation. Là, on va attendre patiemment qu'elle explose. Voilà. Boum. On va récupérer Yoshi. Voilà. Maintenant, on arrête de faire le con. Là, on va aussi attendre qu'elle explose. Pourquoi pas. Ça c'est pour moi. Le Kyoshi un petit peu tendance à faire des petits sauts. Ça on s'en fout, ça c'est bien. Ah merde, j'ai niqué. Je reviens en arrière. Ok. J'ai tellement vautré. Non mais sérieusement? Vous l'avez vu? Là je suis passé au travers. Voilà. Là, bon, elle se casse. Pourquoi pas. Moi. Moi, je profite, j'ai Yoshi. Hein. Je vois pas pourquoi je me gênerais. Hop. Merde. Je suis tué par un bonus. Un bonus m'a tué. Base de vie. Il faut que je finisse ce niveau. Je pense que j'ai une sauvegarde après ce niveau. Putain de bonus de merde. Failli me tuer encore une fois. Non. Rien. Non non plus. Oh putain, j'ai failli me la manger. Champignon, s'il vous plaît. Non, j'aurais pas dû faire ça. Voilà. Là, je reste là. Je suis en sécurité relative, on va dire. Tant pis pour les bonus. Bordel. Non, rien à foutre!
J'aurais dû voir venir. Un coup pareil, c'était... C'était sûr. J'étais sûr. Allez, on se retrouve quand je reviens à ce niveau. A tout de suite. Ou pas, puisque je vais devoir passer par le niveau de la mer. Heureusement que je suis patient. Finalement, ça n'a pas été si long que ça, et je viens même avec 5 vies. Donc, je m'en suis plutôt pas mal tiré, on va dire. Je n'ai même pas perdu de vie. Ce qui est assez surprenant. Connaissant comment j'ai galéré. Merde. Bon. Et je vais enfin pouvoir faire quelque chose de Yoshi. J'aurais peut-être dû prendre le champignon. Pas avoir cette fois. Et on passe, ok. Je peux même les choper dans leur bulle, ça c'est cool. Voilà ce que j'en fais de la bombe, je la gobe. Bon, Yoshi. Pas trop non plus. Non, non, non. Laissez-moi Yoshi. Sérieusement. Les mecs, laissez-moi Yoshi. Oh putain, reviens. Ok. Oui. Emballé là quand j'ai vu Yoshi partir vers le trou. J'ai fait, non, 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 Yoshi, c'est ma seule chance de survivre. Et on garde Yoshi. Et. Maison de la forêt, qui était à côté d'autres points, donc on aurait pu éviter ces deux. Je vais rien dire. Je vais rien dire. Alors, par contre, c'est un ghost house, donc ça va être la merde. Ah, j'ai perdu Yoshi! Oh mon dieu. Non. Pourquoi vous êtes si méchant avec moi? Et c'est moi Yoshi! Je l'ai là, pourquoi j'ai pas le droit de l'avoir? Bon. Allez, on est reparti, quoique, attendez, j'ai une petite interruption, je reviens tout de suite. Un appel urgent, auquel j'ai dû répondre. Et on repart dans la Ghost House, en espérant que, voilà, ça se fasse. Bon, toi, je t'attire, voilà, voilà, voilà. Stop, stop, stop. Peut-être un petit peu trop attiré, bon, ça passe. La même chose. Venez, venez. N'ayez pas peur. Tac. Tac. Ok. Voilà. Hop. Hop. Là. Ça. Est-ce qu'il y a un autre bonus ici? Non. La pièce va te faire voir. Ok, une porte. Oula, beaucoup trop de fantômes à mon goût. Beaucoup trop de fantômes à mon goût, on se casse.
ferai pas de commentaire sur ce qui vient de se passer. Aucun commentaire. Encore moins là-dessus. Encore moins là-dessus, là, je fais de la merde. J'ai fait de la merde. Voilà. Allez, viens, mon gros. Tac. Là, je peux passer. Allez, venez, les petits. Pourquoi vous n'êtes pas démarré en même temps? Je ne sais pas. Peut-être parce que ce jeu a décidé de me faire chier jusqu'au bout dans tous les niveaux. La première vidéo aurait dû être un avertissement. Que j'allais en chier. Ok, là on est bon. Bon. On va juste récupérer la petite plume. Là, voilà, voilà, c'est à moi la plume. Et on se casse. Putain. Merde. Un pauvre. Ah putain. Parce que. Oui, je peux l'utiliser. Est-ce que ça fait quelque chose? J'ai pas l'impression. Bordel, c'est quoi ce... Oh putain, j'ai compris. Attends. Il y avait des pièces à côté. Voilà, ça rien là. Il y avait des pièces à côté de la porte. Donc peut-être qu'en appuyant sur le haut, vu que la porte nous ramène là. D'accord, j'ai compris. Ok. Donc le truc, c'est qu'il faut aller enlever les pièces qui sont à côté. Appuyer sur le pot. Merde. Et passer par la porte qui s'ouvre. Ok, ça va être chaud. Tout ça sans crever. Allez, on peut le faire. On peut le faire. On s'en fout des bonus. Le tout, c'est d'accélérer. On peut même prendre le pot avec nous. Voilà. Et là, il y a une porte qui s'ouvre et c'est pour nous. Ok. Alors là, je sais qu'il y a une porte par là. On l'a vu quand on était en dessous. J'espère que c'est la fin. Yes! C'est fini! Bah, pour la Ghost House, hein, pas de niveau, parce qu'on n'a pas encore affronté de boss. Mais ça, c'est une bonne chose de fait. Allez, une petite sauvegarde, propose-moi de sauvegarder. Oui! Ça, c'est cool. Allez! Et on récupère Yoshi! Donne-moi ça! Merci! Fais salaud. Ah le salaud, il m'a donné un bonus et puis après il m'attaque. Ah ça c'est pute. Oh putain, c'est le truc qui nous suit. Merde. Je t'ai vu toi. Oui. Allez, je suis quand même pas fou au point de pas prendre la sauvegarde du milieu de niveau. Ça fait quoi, je fais ça? Ok, je fais ça. Ah putain, je sens que je vais te haïr sur ce passage. Je sens que je vais tellement te haïr. Connard!
il va niquer. J'y ai cru, hein. Un petit moment. Je pense que ça devait peut-être servir à détruire ça. Oh, putain. Bon, si toi t'es là, ça veut dire que la fin est proche. Ouais, bon, avec une vie... Si, pour vous, ça vous empêchera de revoir ce niveau. Pour moi, ça veut dire que je vais, quoi qu'il arrive, refaire ce niveau. Non, même on va le refaire ensemble, ce niveau, puisque je ne suis pas capable de le finir du premier coup. Bah, même pas du premier coup, mais avec un certain nombre de vies dans la première tentative, on va dire. Allez, c'est reparti. Mets-moi ça, toi. Oh putain, mais je suis débile. Pourquoi tu essaies de le tuer? Avance, ça sert à rien. Récupère la vie. Et casse-toi. De toute façon, à mon avis, le truc, c'est de... Non, un truc, c'est sympa. Merde, je peux pas lui sauter dessus. Et tu sautes dans le vide, bien sûr. Bon, au moins je peux farmer le champignon qu'il donne. C'est déjà ça. Faire gaffe aux petites têtes là, parce qu'en fait ça te fait faire un putain de rebond. Quoi ? Oh putain, la trajectoire de merde. C'est reparti. Ça c'est pour moi. Allez. Hop. Tac. Bonus. Putain. Oh, tu t'y mets pas aussi, hein. Pas avoir par ça, tac, passe sur la tête. Et là, je fais quelque chose, mais n'importe quoi. Bon, à mon avis, ça sert à rien de prendre le point de sauvegarde de milieu de niveau. En fait, c'est plus un piège qu'autre chose, parce que une fois que je l'ai pris, ce point de sauvegarde, j'ai plus la vie qu'il me donne à chaque fois. Oh oui, ça c'est bon. Non mais saute! Saute! J'appuie sur le bouton! Bon, ce que je voulais dire avant de choper l'étoile, c'est que là, je peux faire un niveau autant que je veux. D'une certaine manière, je perdrai jamais de vie. Oh putain. Donc quoi qu'il a... Je comprends pas quand est-ce qu'il me touche et quand est-ce qu'il me touche pas. C'était... Donc, ce que pour finir enfin ma pensée, c'est que quoi qu'il arrive, tant que je peux récupérer ce bonus, j'irai. Ouais, vas-y. J'irai avec Sylvie au niveau suivant, qui est certainement le boss. Si j'y arrive un jour. Certainement pas en jouant comme je suis en train de jouer. Le truc, c'est que. Le niveau incite à aller vite à cause de l'autre connard qui est au-dessus là. En allant vite, tu meurs. Oh là là. Non, c'est pas rien. Non. Hey. Là, on va pas me dire qu'il triche pas. Le machin, il fait un effet de merde. C'est pas réaliste comme effet.
Oui, bon, comme si Mario était réaliste, mais... Putain! Le truc, il fait un effet de merde. C'est l'effet, je vais te tuer. Je modifie ma trajectoire en dernière seconde, de mon item, pour te tuer. Marre. Bon, moi je perds pas de vie. Par contre, pour vous, c'est plus chiant parce que vous me revoyez toutes mes tentatives pour réussir ce niveau. Je suis en train de me dire. La solution conne serait une. Pas lui prendre son bonus, ça se trouve, il serait sympa. En fait, il est deg parce qu'on prend son one-up, mais je suis sûr que ça marche pas comme ça. Putain, mais en plus, on peut même pas le toucher, quoi. Ça va être long, c'est moi qui vous le dis. Jusqu'à ce que je trouve la technique infaillible ou que j'ai un peu de chance, ça va être très long. Putain, il tape cette boîte de merde. Alors, tu t'y mets pas aussi, toi. Mais bon, j'en ai déjà un, ça suffit. Quel enculé. Mais au tuyau. Non mais sérieusement, tu veux que je fasse quoi là? Non putain, saut, j'appuie. Déjà plus la musique. Oh putain, je suis passé au-dessus du bonus. J'y crois pas. Ouais, laisse tomber, là, il y en avait 3, c'était mort. Ok. J'ai expédié le champignon dans la stratosphère. Putain de merde! Plus celui qui sort du tuyau, il est là, vas-y pouffe ta mère! Vas-y pouffe là la carapace! Morfle bien! Souffre! Ah, c'est à peu près ce que dit son expression, hein, pour moi en tout cas. J'imagine comme ça. Et l'autre dessus il est blasé en se disant, putain j'en ai marre, moi, de balancer des carapaces sur mon nuage, je préfère prendre ma pause. Pourrait pas mieux jouer. Je l'ai frôlé là. Non! Mais c'est pas possible, je suis mauvais. Je suis mauvais. Putain, mais. Non, tu mourras pas. Toi non plus. Ça, ça sert à rien. Tiens. Ok. Passage de la fourberie. J'en ai rien à foutre. Je passe. Non, on va pleurer. Quoi ? Bouger les blocs. Pire c'est que je suis sûr qu'il y a moyen de passer directement. La plante est assez haute pour qu'on passe. Oh putain l'enculé. Si ça c'est pas un placement de merde pour
Ça me rend dingue. Oh, mais en plus, ça traverse le bloc. Sérieusement? Ouais, bon, en même temps, il y en a 4, je peux pas rien faire, là, là c'est mort. Vas-y, dégage-moi ça. Canard. Tac. Ok. Écarte ta carapace. Oh le con. Oh le con. Allez, tac, tac. Là, on est bon. Là. Oui. Oh non, s'il te plaît. Ok. Je sais qu'il est là, mais je le veux pas. Je veux aller au niveau suivant avec Sylvie. Je suis sûr qu'avec ce qui m'attend, ce sera pas du luxe. Tac, tac, ok. Truc, si je peux pas m'arrêter. Et ça commence à venir. Vas-y, je vais dire ça, je vais mourir là. Bon, ça à chaque fois. Hein. Je sais plus quoi faire. Non, tu mourras pas, saleté de tuyau. Toi non plus. Ça, on s'en fout. Voilà. Tiens, balance-le là. Quand même essayer d'utiliser la carapace. Yes! Et en plus, je récupère un champignon. Enfin! Ça y est, vous êtes soulagé de ce niveau, vous ne le verrez plus! Sérieux? Sérieusement, le jeu. Mais qu'est-ce que je fous là, moi? Je veux pas retourner. Mais pourquoi? Pourquoi es-tu si cruel avec moi, le jeu? Putain, en plus, je me fais défoncer. Je comprends pas, là. Je t'ai rien fait. Je sais pas ce qu'il faut faire. Bon, j'ai déjà réussi à le faire, mais je vois pas l'intérêt de me le faire refaire une deuxième fois. À part me rendre fou, hein. Putain.
si le but c'est de me rendre fou, ça va fonctionner, ça c'est sûr, mais... Je pense pas qu'il soit aussi sadique que ça le jeu, merde. Mais merde, Mario c'est censé être des jeux relativement faciles, avec une bonne réputation et tout. Et sur tous ceux que je fais, je galère, putain. C'est un peu dingue. Allez, tac. Non, non, oui. Ciré. Si je repasse là, ça passe. Voilà. En plus, j'ai gagné de vie. Mais je refais le niveau, mais je vois pas ce que ça change. Ouais, on est d'accord, ça n'a rien changé. Est-ce que c'est pas le poisson où il y a le point d'exclamation? Peut-être. Ça me semble logique. Enfin, oui et non, mais... Disons que c'est plus probable que... Ce sera une deuxième sortie à prendre. Putain, ça passe, mais juste, hein. Bon, on va essayer ça, on va essayer de récupérer le truc à côté du poisson, mais ça va être très très compliqué, ça va être très très rageant. Le pire là-dedans, c'est que ces poissons... Ils vont plus vite que moi. Je sais pas comment je vais l'esquiver. Dès que je vais m'approcher, il va se réveiller et puis il va me défoncer. Bon. Tentons, hein. De toute façon on a gagné une vie. Pas trop mal. J'ai mis quand même des doutes sur ma capacité à réussir. Mais non, y a rien. Oui. Oui. Et. Pas les bleus. D'accord. Bon, continuons. Oui, même pas en rêve que j'appuie sur le pot. Vous avez fumé, vous. Allez, le pouvoir de switcher est en toi. Ouais, c'est cool, mais ça me sert à quoi? Oui, moi je suis pour sauvegarder, mais d'accord, mais maintenant je fais quoi? Merde, mauvaise idée. Poisson. Non, t'es trop gros pour passer. Oh putain, ouais. T'as le gang là qui passe.
Et puis t'as lui là. Ah mais d'accord, j'ai fait ça, mais maintenant je fais quoi moi? Je suis bloqué quand même. Ça change rien. Je vois pas l'intérêt tout ça. Il y a un truc en dessous. Une bouffe. Ok, je peux les tuer. C'est déjà ça. Mais... Ok, il y a l'air d'avoir un truc par là. Mais... Putain, mais... Il y a que dalle, il y a juste une pièce. C'est vrai qu'il triche ses poissons, il traverse les murs. J'ai oublié ce détail. Ok. Au final, y'a rien là-dessous. Non. Pas celui là-dessous. Tac. Passe. Oui, ça je m'en fous, j'en ai déjà. Ok, je veux bien refaire ça, mais je vois pas à quoi ça va me servir. Hein. Ouais, attends, ça sert à rien. Alors là, je vois pas du tout. J'avoue que je suis bloqué. Ben je vais chercher ça et puis je vous retrouve dès que j'ai trouvé une solution. A tout de suite. Alors, après vérification sur le net, il faudrait en fait passer par là. Par ce niveau pour accéder au château du boss suivant. Donc c'est parti. Et je vais vous montrer comment on y accède. Bon, même si je pense que tout le monde est au courant à part moi. Je ne m'étonnerai pas. Ok, je peux récupérer Yoshi juste derrière, ça c'est cool. Merde. Merde. Il a disparu. Bon. C'est pas grave. On peut le faire. Pas non plus la mort. Regardez. Tac. Hop. Voilà. Merde. Non, s'il te plaît, reste là-haut. Voilà. Et voilà. Non, sérieusement. Ah putain, il faut être grand. Bon, bah, on va recommencer. C'est pas grave. Il suffit de recommencer, c'est pas compliqué. Et garder sa grande taille.
Et en fait, vous prenez la clé et puis normalement ça vous débloque le boss. Donc en fait, on aurait pu aller au boss encore plus rapidement que ça. Voilà. Maintenant, le tout, c'est de garder cette taille. Je suis pas sûr qu'on puisse y aller avec Yoshi, donc. Merde. Et merde. Pas le con. Hop. Tac. 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 Ok. Là, il suffit de foncer. Là, il faut passer. Je suis niqué. Ah, je suis niqué. Bon, on recommence. Putain, non, je veux. Donnez-moi ce champignon. Ah, il suffit de passer. Voilà. Voilà. Ok, on est bon. On aura perdu qu'une vie. Ah. Hop. Et voilà. Normalement, ça débloque le chemin vers le boss. Et voilà. Le château de Roy. Et donc on est parti pour ce boss. En espérant réussir du premier coup. Pas du premier coup, au moins avec les 5 vies qui nous restent. Bon, 4 vies. Je crois que personne n'est encore jamais mort à cet endroit, en fait. Je vais être la première personne à le faire. Ah, ah putain, ça avance. Ok. Ok. Putain, ça va vite. Il bouge vite ce truc. Ah, d'accord. Non mais, tu veux pas faire le chemin le plus court s'il te plaît? Tout droit? Non, oh putain, il a failli me niquer. Ok. Ok, ok, ok. Là. Moi je reste sur toi hein. Tu vas où? Oui, par là. Ok. Oh là là. Ah putain, si le plafond s'y met aussi, on va pas y arriver. On va pas y arriver, putain. Ouais, c'est stress. Ok. Bon, on sait ce qu'il fait. Ensuite, pas dans le détail, mais on sait que c'est un truc qui bouge. Voilà, que de temps en temps, il me fait des petites feintes comme ça. Là, voilà. Là, il va repartir par là. Tac, 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 tac. Être là, voilà. Ah bon, là il continue tout droit et là on arrive au pic. Par contre, plus que 3 vies, là ça commence à devenir chaud. Hop. Hop. Oh là là là. C'était chaud ça, c'était très très chaud. Ok. Ok.
Ouais. Il y a la vie supplémentaire, mais je sais... T'avances qui va se passer. Je vais mourir. Quoique, je l'ai quand même eu. C'est-à-dire qu'elle tombe dans la lave? Je sais pas. Bon, bah, on est reparti pour ça. Bon, au moins, pas leur reprocher de ne pas avoir des châteaux diversifiés parmi tous ces fils de Bowser. Bah, je suppose que c'est les fils de Bowser. Avec la sorte de tortue capable de lancer du feu, c'est Bowser. Au moins, un lien de parenté avec lui. Ok, là ça va, ça va. Merde! Oui, ne va pas trop loin non plus. Ça c'est déjà assez compliqué, mais si en plus les pics ils s'y mettent aussi, ça devient vraiment chaud. Et là je suis plus du tout dedans, j'ai plus le rythme du truc. Je suis un peu limite à chaque fois. Donc à mon avis ça pue pour la suite. Bon, ça ça va, c'est tout droit. Je vais se laisser porter. Là commence les difficultés. En plus, c'est game over. Bon bah, on se reprend dès que je retourne au château. A tout de suite. Bonsoir à tous. Pour vous, ça ne fait que quelques secondes que la précédente partie de la vidéo a été enregistrée, mais pour moi, ça fait 2 mois. À peu près, 2 mois où j'ai préparé un déménagement qui m'a fait traverser toute la France, qui explique le fait... J'ai eu plusieurs semaines sans vidéo, parce que j'avais un certain stock d'avance, mais bon, à force, elles ont toutes été publiées. Et je n'avais pas fini cette cinquième vidéo, si je ne dis pas de bêtises, sur Super Mario World. Donc voilà, j'ai vite fait regarder où je m'en étais arrêté. Je crois pas que j'étais arrivé au boss, donc on se retrouve face au boss du monde 5. C'est pas vraiment une coupure nette à l'endroit où on s'est arrêté l'épisode précédent. J'ai même oublié, comme vous le voyez, il a déjà commencé à bouger, de lancer l'enregistrement. Donc il faut que je reprenne un petit peu mes habitudes. Sur la chaîne, vous avez vu que j'ai commencé les lives, puisque j'ai une meilleure connexion. Et donc ça permet aussi d'uploader d'autres types de vidéos, notamment sur l'Xbox One. Vu que je n'ai pas de capteur vidéo, ou une blinde. Donc voilà. Donc je vais essayer de terminer très rapidement cette partie de Super Mario World, et puis après on va reprendre un rythme de parution normal. Et sur ce, on va essayer de survivre face à ce boss. Ok, il a l'air de fonctionner comme un de ses frères, là. Non? Deux fois? Ou... Non, il faut sauter dessus quand il... Quand il marche, lui. Ok. Ok, ok. Oula! Il marche plus, là. Court. Et voilà, je t'ai niqué.
Et c'est pour ça aussi que j'ai un ton plus calme, hein. C'est la coupure entre les deux parties de vidéo. Je suis pas autant énervé pour revenir à ça. 2-3 essais et puis ça a été bon. Allez, explose-moi ce château de merde. Hein? Bon, on a mis fin au règne de Roy Koopa Junior. Et en avant pour la dangereuse mais savoureuse île du chocolat. C'est parti! C'est parti? Oh oui, sauvegarde. Et sur ce, ben voilà qui conclut cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 6 sur l'île chocolat.